forme du jeu de billard que nous allons vous présenter est assez différente de celle habituellement pratiquée chez nous. Néanmoins, il n'est pas d'en connaître les règles pour apprécier la vitesse diabolique des deux arts sur le sac. À droite, Willy Mosconi, l'actuel champion du monde. À gauche, l'ancien champion du monde, Jimmy Carras. Deux gaillards remarquables, en dépit du léger cabotinage qu'ils affectent devant la caméra. Pour se mettre en train, Willy et Jimmy vont d'un seul coup faire tomber 6 billes chacun dans les poches appelées blues, d'où le verbe blouser quand la bille tombe dans une poche. Ne perdons pas les billes de vue. Voilà ce qu'on appelle se partager intelligemment la besogne. Naturellement, les deux blanches doivent rester sur la table. Et c'est ce qu'elles font. Voici un nouveau tour, réclamant beaucoup d'adresse et de précision, pour exécuter ensemble l'incomparable Mosconi, c'est lui. Et l'extraordinaire Carras, c'est l'autre. Ils vont blouser toutes les rouges, en se servant à tour de rôle de la même blanche, qui, vous le remarquerez, ne cesse jamais de rouler. Vous avez vu? Joli travail. Au cours du petit numéro suivant, chacun des joueurs doit frapper sa bille au même moment. Les deux blanches se rencontreront ici, et ensuite, chacune d'elles évitera soigneusement l'autre pendant ce voyage autour d'une table. Enfin, après avoir heurté quatre bandes, elles feront tomber les deux rouges dans les blues. Nos champions réussiront-ils ce coup-là? Je n'en mettrai pas la main au feu, mais enfin, ils peuvent toujours le tenter. Nous allons suivre au ralenti le parcours des deux blanches et nous les verrons heurter les trois premières bandes. Maintenant, nous assistons à l'effort final. Chacune des deux blanches se dirige vers la quatrième bande qu'elle doit heurter avant de toucher la rouge. Allons, allons, encore un petit effort. Et d'une. Et de deux. Je dis. Pour suivre, nous allons vous présenter à sa vitesse normale un nouveau tour jumelé. Il faudra, mesdames, que vous ouvriez tout grand vos jolis yeux si vous voulez en saisir le mécanisme. Willy et Jimmy vont jouer simultanément et chacun d'eux bougera une rouge. Comment diable arrive-t-il à faire ça? Allons, allons, faites bien attention. Non, ce ne sont pas des billes fantômes qui passent une fois vers l'autre. Non, non, non. Jimmy doit faire bondir sa bille par-dessus celle de Willy. En un point donné. Hein? Quelle coordination, quelle précision, quelle perfection. Et puisque nous avons une science de l'éloge égale à nos sciences du billard, voici un exercice capable de mettre à l'épreuve leur stupéfiante précision. Ils doivent d'abord faire passer les deux blanches entre ces cigales. Impossible de faire une erreur, fut-elle infinitésimale, dans l'effet donné au moment où on frappe la bille. D'autant plus que les deux billes doivent ensuite rouler tout autour de la table et blouser pour finir les deux rouges. La route est longue avant d'atteindre le but. Une. Deux. Bravo. Dans cette petite création, Mosconi va éprouver son adresse en choquant avec la blanche, une bille qui roule, et cette bille sera blousée sans toucher aucune des rouges qui forment les trois passages que voici. Bien joué, William! Par un sombre dimanche pluvieux, si on s'embête trop, on peut essayer ce coup-ci. Il suffit tout simplement de choquer avec la blanche la rouge placée sur les lèvres de votre meilleur ami. Messieurs, vous pouvez tous pratiquer ce petit jeu de société s'il vous reste encore quelques amis intacts. Amusant, hein? Et maintenant, vous avez déjà vu un coup joué sur deux billards distant de 2 mètres? Non. Eh bien, regardez. Regardez M. Mosconi, le roi du billard, qui va essayer de réaliser une telle performance. Votre main gênante, Willy. Enlevez-la, Willy. Merci, Willy. C'était Willy. Eh bien, Willy, puisque c'est lui, va pousser la blanche à une vitesse considérable. Elle va parcourir toute la longueur du billard et elle frappera la bille du dessous qui projettera la bille du dessus, lui faisant exécuter un bond de 2 mètres entre les tables. Elle roulera ensuite sur toute la longueur du deuxième billard jusqu'à la bande la plus éloignée et enfin elle reviendra refaisant tout le chemin en sens inverse jusqu'à ce qu'elle rencontre la rouge qu'elle blousera. Allez-y. Représentez-vous que notre champion doit calculer la trajectoire de sa bille de telle façon qu'elle heurtera cette bande en un point précis, pas plus large qu'un cheveu,
afin de revenir directement choquer la rouge, cependant que la blanche reste sur le tapis. Ça, c'est du billard. Voici le même coup à la vitesse normale, et remarquez que du départ jusqu'à l'arrivée, vous voyez entièrement la trajectoire de la blanche en une seule scène, sans changement de plan, ce qui vous prouve qu'aucun trucage n'a été opéré dans ce film et que tous ces coups ont bien été exécutés. Pendant que Mosconi cherche l'inspiration pour sa prochaine démonstration sur le billard, nous apprécierons la trajectoire suivie par la bille de Jimmy. Quelle jolie forêt passe-passe. Un vrai prestidigitateur, ce Carras. Pour le coup suivant, nous avons besoin d'un accessoire, une pochette d'allumettes. Cette nouvelle création de Mosconi sur deux billards fera encore sensation, ou du moins nous l'espérons. Monsieur Mosconi, assisté de son patron et habilement secondé par lui, va nous présenter maintenant une démonstration unique de sa merveilleuse adresse au noble jeu du billard. Allez-y, Willy, surpassez-vous. Hein? Avez-vous déjà vu une cigarette qui sautait comme un cabri? Et voici l'apothéose. Cette fois-ci, Willy Mosconi va pousser la bille qui roulera le long du premier billard jusqu'à la petite pochette d'allumettes, d'où elle bondira ensuite jusqu'au deuxième billard où elle bousera les six billes rouges, chacune d'elles roulant dans une direction différente et tombant dans une blouse différente. Voici le coup au ralenti. Et vous noterez que la caméra ne quitte pas la bille pendant toute sa trajectoire. Chaque rouge dans une blouse différente? Oui. Comme tout ça paraît facile, n'est-ce pas? Essayez un peu à votre tour. Qui sait?